Bonjour Anne-Sophie. Alors je vous retrouve ici à la base de loisirs, nous sommes sur la plage. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors cette plage, on peut en profiter en été, quand il fait beau comme aujourd'hui? Oui, dès qu'il y a les premiers rayons de soleil, hein, les gens viennent directement à la plage, que ce soit ouvert ou pas ouvert, les gens viennent déjà s'y baigner et s'y profiter du soleil, voilà. Alors cette plage, est-ce qu'elle est accessible par tout le monde? Alors elle est accessible par tout le monde, hein, l'entrée n'est pas payante, hein. C'est pas une plage qui est surveillée, donc les gens peuvent se baigner comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, tant que la qualité de l'eau elle reste bonne, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'eau, voilà. Et donc là on a une plage de sable, oui. J'imagine que pour les enfants c'est génial. Ils oui, c'est l'idéal, le sable est refait tous les débuts d'été à chaque fois, hein, pour que le sable soit agréable pour les enfants, et c'est très agréable, oui tout à fait. Alors hormis juste poser sa serviette, est-ce que vous avez des espaces où on peut pique-niquer? Alors oui, tout à fait, tout le long de la plage, hein, on a quelques tables qui sont installées avec bon, et puis des poubelles, hein, bien sûr, hein, pour les déchets. On a aussi un chapiteau avec plusieurs tables qui est installé, hein, pour les gens s'ils veulent venir se restaurer. On propose aussi de la restauration sur place, hein, un peu plus haut de la plage. Nous avons aussi un toboggan aquatique, hein, pour les gens qui veulent aussi s'amuser un petit peu, surtout pour les enfants. Oui. Et un château gonflable, voilà, pour les enfants aussi. Oui, qu'on voilà. Avait vu d'ailleurs avec Émilie, parce que vous avez énormément d'activités pour enfants. On essaye, voilà, hein, le but c'est vraiment de pouvoir promouvoir plein d'activités pour les enfants, pour que les adultes aussi puissent se reposer aussi pendant ce temps. Et ici, on a quand même l'impression d'être un petit peu en vacances. On a l'étang, on a la plage. Oui, tout à fait. On a un petit peu tout, hein, même si on est dans l'est de la France. On a la chance d'avoir des belles journées de soleil et une eau qui est très bonne, hein, 25 degrés actuellement. Hein. Non seulement on peut se baigner, mais on peut aussi pratiquer d'autres activités comme la pêche. Oui, tout à fait, la pêche. Hein, donc, beaucoup de pêcheurs, hein, sur cet étang. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très pratiqué sur l'étang. Alors, nous, on vend des cartes de pêche directement sur place à l'accueil du centre de bien-être. Après, il y a aussi d'autres personnes qui viennent en direct. Mais oui, la pêche est très, très, très prisée ici. Et donc là, on peut soit se mettre sur des petits pontons, ou alors est-ce qu'on peut louer des barques? Alors, ouais, il y a pontons, il y a des barques à la location, et il y a aussi les pêcheurs qui ont leurs propres moyens de navigation. Voilà, qui sont très, très, très équipés d'ailleurs. Voilà. Oui, j'imagine, ah, ça oui, doit oui, être c'est... des pêcheurs chevronnés. Oh oui, oui, oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut pêcher partout autour de l'étang? Tout autour de l'étang, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc même à des endroits qui sont assez ombragés où on peut passer la journée complètement. Sans être oui, au oui, soleil. Tout à fait. Oui, oui. Bon, bah, c'est super. Ah, c'est très bien pour les pêcheurs, j'imagine. Oui, voilà. J'imagine aussi. Et alors, en dehors de la pêche comme activité nautique, qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous proposons donc du kayak et du paddle, mais on vous a réservé une petite surprise. On va carrément vous mettre en action. D'accord, okay. On va vous faire découvrir ces deux activités tout de suite. Eh ben, allons-y. Eh ben, on y va, c'est parti. Bon, j'espère que vous n'avez pas prévu de me jeter à l'eau. Hein. Non, du tout, voyons. Hop. On va mettre les gilets. Voilà. Hop. Allez, super. Le petit. Allez. Hop. Ouh, ça commence bien. On va déjà partir comme ça. Alors Jonathan, en dehors de la plage, vous proposez aussi des activités nautiques. Alors là, bon, vous êtes sur un kayak, moi je suis sur un paddle. Ce genre d'activités, comment est-ce qu'on peut les pratiquer? Est-ce que c'est des activités qui sont encadrées ou... Alors là, on est vraiment sur deux types d'activités, oui. On a une activité encadrée avec le kayak, qui est encadré tous les mercredis matin par nos éducateurs sur la zone de loisirs. Mais ils sont aussi à la location à disposition des gens, des vacanciers l'après-midi. Et par contre, tout ce qui est paddle, oui, là, lui, c'est vraiment que à la location. Personne n'encadre l'activité paddle. C'est vraiment une activité de loisir pour le public, oui. D'accord. Donc, pour le paddle, il faut déjà en avoir fait, c'est quand même mieux? Pas forcément. Hein, on a des non-initiés qui arrivent très bien à le faire. On a différentes postures à adapter dessus. Hein, on peut partir assis, à genoux ou debout. Ouais, tout comme fonctionne. Moi, j'ai pas voulu tenter le debout. Hein. Le but, c'est une petite balade. J'essaierai peut-être en fin d'interview, mais...
On verra ça à la fin, oui. Voilà, c'est ça. Et sinon, le kayak, donc on part, c'est quoi? C'est en groupe, c'est... Alors oui, voilà, on est en groupe, hein, on a quatre kayaks de deux places, hein, donc on prend des groupes de 8 personnes, plus un ou deux moniteurs qui encadrent l'activité. Et après, on mélange un petit peu la balade, plus des petits jeux ludiques, passer d'un kayak à l'autre, des petits jeux de ballon, etc. On adapte un petit peu des jeux de terrestres sur l'eau. Voilà. D'accord. Et donc on peut aller n'importe où sur les temps? Alors sur tous les temps, on peut aller partout, hein, sur toute la superficie, hein, donc que ce soit direction le village voisin ou les chalets insolites qui se trouvent derrière nous. On peut aller partout sur les temps. Vous avez une idée de combien de surface ça fait? Alors la surface exacte, non, j'ai pas l'idée, mais en gros, vous avez un petit peu moins d'un kilomètre pour aller jusqu'au bout là-bas, et pareil de l'autre côté. Voilà. D'accord, donc il faut quand même avoir des bras. Si on part à l'autre bout, il faut quand même réussir. On est sur deux heures d'activité, donc après, on n'est pas obligé de kayaker vite. Enfin, de pagayer vite, pardon, mais on peut... D'accord, donc deux heures d'activité. Un petit peu, oui, puis en plus là, sous le soleil, c'est quand même hyper agréable. Oui, tout à fait, oui. Et puis l'eau est assez bonne. L'eau est très très bonne, hein, elle est à 25 degrés actuellement. Donc, ça va, si on tombe... C'est légèrement rafraîchissant. Voilà, c'est pas grave. Vous pouvez tester si vous voulez. Pas tout de suite. C'est gentil, mais peut-être tout à l'heure quand j'essaierai en étant debout, on verra. Donc cette activité, vous avez dit 2 heures. Donc vous m'avez dit c'est plutôt le matin. Oui, alors c'est plutôt le mercredi. Alors l'activité encadrée, c'est le mercredi matin, tous les mercredis matins par nos éducateurs, et après tout le reste de la journée et de la saison, c'est les après-midi en location. D'accord. Au niveau de la buvette qui se trouve derrière la plage. Donc là, en location libre. En location libre, voilà. D'accord. Et pareil pour les enfants, est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir faire ça? Alors nous, on les prend à partir de 8 ans pour avoir un petit peu de capacité physique. Hein. Après, sur tout ce qui va être location, hein, ça charge des parents. Donc après. Faut savoir nager, j'imagine. Alors, quand même. On préférait que les enfants sachent nager. Maintenant, il y a le gilet de sauvetage qui est obligatoire, hein, qui permet aussi. De pouvoir être en sécurité sur le bateau. Bien sûr, évidemment, la sécurité avant tout. Tout à fait, bien sûr. Pour toutes les activités, on est quand même très attrait à cette sécurité. Voilà. Et alors, c'est une question que je pose beaucoup. Au niveau de la location, est-ce que seuls ceux qui sont au camping peuvent louer ou n'importe qui? Alors là, non. Du coup, pour la location, c'est vraiment ouvert à toute la population autour de Sarrebourg, etc. C'est pas réservé à la population qui est en vacances chez nous. D'accord, par contre, tout ce qui est activité encadrée, oui. Là, c'est pour ceux qui sont sur le camping. On priorise les gens du camping et les vacanciers. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent venir de l'extérieur, ils sont les bienvenus, dans la limite des places disponibles, toujours pareil. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir proposé la découverte de cette activité. Première fois que je monte sur un paddle, pour l'instant, je ne suis pas tombée. On va voir ce que ça donne. On peut remédier à ça. Ne me poussez pas. Et moi je vous dis, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la tournée d'été.